Michel, car c'est une équipe qui alterne les joueurs chevronnés et quelques jeunes joueurs prometteurs. Oui, et puis il faudra surtout se méfier d'un homme en super forme. On l'a vu lors des matchs de Coupe d'Europe, il a le ballon. C'est le milieu du terrain, la bataille est farouche pour la possession du ballon. Balakov, aux prises avec Le Guen. Dans l'axe. Emmanuel Petit dans le camp bulgare. Pedros, la touche sera pour les Bleus. De la Coupe du Monde. Treven Lief. Qui passe devant le but de Mikhailov. Faute inutile de toute façon. Il a failli être pris. Il va le mettre devant le but. Pedros. Elle est pas. Bien joué, Cantona, Sauzé, Deschamps. À gauche, oh, superbe. Un jeu dommage de peu sans doute. Ouais. Et c'était. Coff est parti là-bas. Ouais. Remise au centre, Laval qui passe devant le but et qui va sortir en sortie de but. C'était dangereux. Basile Boli. Il a donné derrière lui. Stoïkov. Avec une faute de Ivanov sur Papin qui est resté au sol. Oui, vous regardez, ça va. Je pense que. C'était pas dans le cours du jeu. Stoïkov. Oui, il est cela. Il a enlevé à Cantona, dommage. C'est Laurent Blanc qui a enlevé ce ballon. Oui. Un Gallinacé. Alors pour l'attraper, ça va pas être facile. Monsieur Motram se dirige à pas menu vers le Gallinacé. Cerné par. Lama, Deschamps. Oh, ça va être juste. Passe. Premier corner, exact. Premier corner de la partie. À Francis Borrelli. Ivanov. Il a donné à Papin, mais un peu dans son dos, dommage. Ivanov. Et il n'y avait que deux Français, Thierry. Deux Français, Cantona Papin pour cinq Bulgares. Monsieur Motram a vu. Le Guen. Du pied gauche, bien au-dessus. Elle s'est envolée cette balle. Petite erreur de départ et grosse erreur à l'arrivée. Oh, il y a même Johnny. Le Parc des Princes indispensable de gagner. De la tête, Roche donnée à la main. Papin avec une faute sur Balakov. Lechkov. Petit pot, oui, il est gentil, M. Motram, mais il a sifflé. Oui. Est-ce qu'il me semblait. Cette balle, elle est sortie. Oui, elle est sortie. Elle était sortie, indiquait M. Simpson là-bas. Et confirmation, Jean-Michel Lubosla. Allez, le cadre. Voilà, le cadre. Ça suffit. Il l'a relâché, il l'a surtout repoussé. Il l'a repoussé, Thierry. Oui. Devant. Attention, devant. Oula! Il avait sifflé. Et oui, il est sorti, oui. Dans la main. Stoïkov. Dans le mur, elle n'est pas passée. Il était à refaire, tant mieux. Je m'en dominais à peu près dans tous les secteurs de jeu maintenant. Il y a eu en jeu, mais en vivacité, en. Stadinov. Papin récupère ce ballon. Il y a faute. Cantona. Benef. Mauvais contrôle, heureusement pour les Français. Ouh, il y a eu une faute. Ils n'ont pas le même poids. Didier Deschamps. Il faut venir l'aider. Allez, un petit peu de jeu collectif. Elle n'est pas passée, Ivanov. La touche sera de Saï. Papin. Medzistanov. Qui peut centrer. Bernard Lama. Très troublé Bernard Lama par le vent. Tout à l'heure, il l'a senti. Papin. Oh, ah, il a voulu la donner. Oui. But de Cantona. Cette remise de Jean-Pierre Papin, Cantona catapulte le ballon. Ah, il y a mis tout son cœur. 19e but en sélection pour l'attaquant de Manchester United. Des Bulgares qui accusent doublement ce but. Parce qu'il on le revoit d'abord. Sauzé peut frapper. Bien sûr, il va frapper. Ben oui.
la frappé, mais à côté du but de Mikhailov. Oui, bien joué, encore une déviation. Ah là, il y a une faute d'Ivanov. Non, dit monsieur l'arbitre, joué. Oula, faute de Roche. Hotchkov qui est droit, sur la main, pas de problème. Bien frappé. Premier poteau, but de Kostadinov. Tête de Kostadinov, bien frappé, voilà. Tendu. Et l'équipe de France n'aura venu que quelques secondes, quelques minutes. Eh oui, mais c'est un corner idiot qu'on a concédé là. Et voilà ce qui se passe. Frappe de Balakov, dévié au premier poteau par Kostadinov. Reprise avec Kremenliev. Il l'a sauvé. Sur le côté, elle va filer cette balle. Ils se sont accrochés. Il était de toute façon battu là par Zvetanov. Zvetanov était 2 mètres devant. Sosé. Koff, ça ne va pas sortir. Ça va très vite. Roche. Aïe, 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 ça, monsieur B. Oui. Peut-on lui, la même carrière qu'un autre Lorrain, qui manque un peu ce soir évidemment parce qu'il n'y a pas de Platini dans cette équipe. Attention, Kostadinov, il est passé, centre en retrait, Deschamps. Cantona. Oui. Poussé juste au moment où faisait la tête, Eric Cantona. Il y a du vent beaucoup devant. Yankov. Mais regardez comme il est tout seul, Jean-Pierre Papin, il n'y a vraiment pas beaucoup d'appui. Benef, Le Guen, Papin, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur Sosé. Jean-Pierre, le ballon. Sosé. Ah oui, c'est les ailes. Un peu écrasé. Oui, dommage. Il avait fait une bonne feinte de frappe du pied gauche, enchaîné et crochet. Pierre Papin. Oh, bousculé lui aussi. Il a pris le coup de Houpchef dans la figure. Cantona, ça va être pour Boris Kostadinov qui va pouvoir frapper, contré par Petit, heureusement. Là, il avait Mikhailov sur le dos en même temps que le ballon. Deschamps. Ah, il a bloqué ce ballon, il s'est envolé au-dessus de la barre. Et en plus, c'est un bon sang. Bon sang de Papin. Il n'a pas écrasé Thierry, mais il a été tellement persuadé que Ivanov allait toucher ce ballon qu'il s'est retiré, qu'il s'est retenu un tout petit peu. C'est Cantona. Ivanov qui est venu courageusement. C'est Lové Papin, c'est pas fini. Allez, peu approché. Il a joué l'obstruction. Vu à l'image, en tout cas, Jean-Michel. Attention, c'est mauvais, c'est rebond. Oh là là. Auquel cas, si Papin demandait à sortir, le public pourrait voir rentrer David Ginola. Qui devient Pedros. C'est quelqu'un de frais comme David, je crois qu'il peut garder le ballon en plus, je crois que c'est une bonne chose. Beaucoup d'inquiétudes championnat cette saison, David Ginola, frappé, écarté. Allez, boum. Ginola. Oui. Oh, c'est le petit filet, dommage. C'est juste derrière. Qu'est-ce que c'était bien joué. Le contrôle, il se sort du marquage d'Ivanov. Feinte de frappe pied droit. Houpchef est battu, on a l'impression qu'il aurait pu s'approcher. Dangereux, Lechkov, ouf, voilà l'enlever. Bien, Marcel, attention. Lechkov, centre devant le but. Allez, devant le but. Ginola, ah, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il était complètement déséquilibré. Hein. Seul. Lechkov, Stoïkov.
il n'y a personne, enfin, il n'y a pas de Bulgare en tout cas. Donne en retrait, frappe, ouf, belle frappe de Sosé. Super arrêt Mikhailov. Mikhailov, la balle n'a pas bougé. Elle était bien cadrée, un peu avec le bras, Kostadinov là. Pas raté ça, Roche. Pedros va faire la remise en proximité des 16 mètres français. Ouh, il a pris un coup de Borimirov. Borimirov s'est pas arrêté là. Ouais. Et c'est hors jeu. Attention, attention, Kostadinov. Oh, but. Oh, à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a. Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes, c'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Ouais. Et un ballon là-bas sur le coup franc, alors qu'on avait un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Kostadinov. Et là... on est éliminé. Et France, voilà, la non. Bulgarie est qualifiée pour la World Cup. Les larmes de Didier Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède.